Nous n'attendons que le coup de sifflet de l'arbitre pour que cette rencontre puisse commencer. Et c'est parti! Réception propre du ballon. Grâce à ce bon contest, il récupère le ballon. Une mêlée spontanée se forme. Ballon toujours en possession. Ça fait bien circuler la balle. Mêlée spontanée. Il est bien rattrapé par le défenseur. Tentative de plaquage ratée. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. Oh, le raffut! Nico à la transformation. Et ça finit dans ses bras. Nouveau point de fixation. Ils ont conservé ce ballon. Il y a une opportunité sur l'extérieur avec Rice. Attaque stoppée, formation d'un ruck. C'est sorti avec un ballon pour le demi de mêlée. On assiste à la formation d'un ruck. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Jouer. Ils ont un avantage sur cette action. Et on va procéder à la première mêlée du match. Flexion. Lié. Jeu. Très bel effort des avants qui récupèrent le ballon. Ah, ils cèdent sous la pression de leurs adversaires. Ballon extrait par le demi de mêlée. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Rice, qui s'en sort avec un raffut. Ils parviennent à conserver le ballon. Belle dextérité sur cette passe. Et c'est un ruck. Il conserve le ballon. Magnifique passe après contact. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Au contest pour ce ballon. Il y a eu faute, mais on va jouer l'avantage. Fin d'avantage. Rice, la course est à l'extérieur. Il crée un point de fixation. L'arbitre laisse jouer. Oh là là, quel plaquage! Oui, la faute est là. C'est carton jaune. Pénalité à suivre. Nico, il s'est bien frappé. Et ça amène le score à Wood pour récupérer ce ballon. Il ne s'est pas appliqué sur ce plaquage. Attention, ça va être un ruck. L'attaque conserve le ballon. Avantage. Ils ont toujours un avantage. Et carton jaune, dit monsieur l'arbitre. On va retrouver à l'introduction sur cette mêlée. Flexion. Yeah. Jeu. Ballon récupéré par le pack sur cette mêlée. Ils vont pouvoir récupérer le ballon de cette mêlée. Et jeu au pied. Ballon capté. Il capte bien ce ballon. Plaquage trop mou pour arrêter Griffin. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Les joueurs forment un ruck, bien mis au sol par le défenseur. Il a de l'espace sur le côté pour Rice. Et les avants forment un ruck. Payer qui joue avec Griffin. Point de fixation pour l'attaque. Il conserve le ballon. Le décalage est fait sur les extérieurs et formation d'un ruck. Ils ont conservé ce ballon. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ils ont encore le contrôle du ballon. Ils passent le ballon. C'est un ruck. Beau plaquage du défenseur. Ah, ils ont perdu le ballon là.
Bonne défense. Ballon toujours en possession. Rice, il y a un décalage. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Le mollet bloqué par la défense. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Wood. L'avantage est terminé. Nous entrons dans les dernières minutes de la première mi-temps. Ils veulent faire vivre le ballon avec cet offload. Il faut aller au bout. Énorme raffut. Et c'est un ruck. Il conserve le ballon sur ce ruck. Et il parvient à libérer malgré le contact. Et les avants forment un ruck. L'attaque conserve le ballon. Offload. Griffin qui s'échappe sur le côté. Ils ont soigné la conservation du ballon. Un ruck qui s'est formé. Il conserve le ballon. Les transmissions sont bonnes. Point de fixation pour l'attaque. Un ruck annoncé par l'arbitre. Il garde la possession du ballon. Une bonne circulation du ballon. Munro, file marquer cet essai. Et ils inscrivent un superbe essai. La transformation maintenant pour 2 points de plus. À 0. Et c'est la mi-temps. Et cette remise en jeu marque le début de cette deuxième période. Il est dessous, impeccable. Attention, ça va être un ruck. Ils ont conservé ce ballon. Les défenseurs s'appliquent à bien défendre. Bien joué, la défense a arrêté le maul. La défense rate ses plaquages. Ils ont encore le contrôle du ballon. C'est un ruck. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Il fait circuler le ballon. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Ils vont contester ce ballon. L'attaque conserve le ballon. Ballon libéré malgré le plaquage. Griffin qui vient essayer de contester. Belle passe après contact, mais risquée. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Avantage annoncé par l'arbitre. La défense ne couvre pas bien les extérieurs. Ça va être un contest. Fin de l'avantage. Les intervalles qui s'ouvrent sur les extérieurs. À grand coup d'épaule, la rentrée dans le ruck de Griffin. Le ballon circule bien. Il libère son ballon après le contact. Et formation d'un ruck. Il y a du soutien avec l'arrivée de Griffin. Il transmet son ballon. Nouveau point de fixation. Ils ont conservé ce ballon. Evans qui donne à Rice. Bien plaqué. Il garde la possession du ballon. Evans pris au contact. Qui libère pour Griffin. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Ils conservent le ballon. Ils font bien circuler le ballon. Attaque stoppée, formation d'un ruck. L'attaque conserve le ballon. Belle passe. Au contest pour ce ballon. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Belle gestuelle sur ce offload. Ils ont soigné la conservation du ballon. La passe. Passe mal ajustée. Le jeu de passe. Les joueurs forment un ruck. C'est récupéré. Il faut venir au soutien. Ils ont encore le contrôle du ballon. Il y a une faute, mais on va jouer l'avantage. Ils conservent le ballon sur ce ruck. Wood avec Griffin. L'avantage est terminé. Il n'a pas assez appuyé son plaquage. Et l'arbitre siffle en avant. Et c'est sorti en touche. Alors, il semblerait qu'il y ait eu des changements au cours de ce temps mort. En effet, on a pu voir le remplacement de quelques joueurs probablement fatigués. Flexion. Jeu. Quel effort des avants pour venir récupérer ce ballon sur la mêlée. Regardez le travail dans l'axe du paquet d'avant.
Wood qui va pouvoir lancer le jeu. Belle vitesse d'exécution sur cette passe. Et nous allons retrouver à la transformation Nico. Non, ça ne passe pas. Ça circule bien. Nouveau point de fixation. Ballon toujours en possession. Et les avants forment un ruck. Transmission de la balle. Ça bataille dans le ruck. Il conserve le ballon. L'arbitre laisse jouer. Et encore une imprécision. Les deux packs se mettent en place pour une mêlée. Flexion. Yeah. Je... Récupération propre du ballon par les avants. Quel effort des avants pour venir récupérer ce ballon sur la mêlée. Le 8 qui charge, balle en main. Plus que quelques minutes avant la fin de la rencontre. Point de fixation pour l'attaque. Il garde la possession du ballon. Sur l'extérieur pour Griffin. Attention, ça va être un ruck. Il passe le ballon. Mauvais plaquage. L'attaque conserve le ballon. Un ruck qui s'est formé. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Griffin, peut-être de l'espace au large. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Ils parviennent à conserver le ballon. L'arbitre laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Pas d'avantage, on revient à la faute. Monroe résiste au plaquage. Ils ont encore le contrôle du ballon. La balle circule bien. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Ils conservent le ballon sur ce ruck. Belle précision et bonne exécution sur ce offload. Wow, c'est fantastique. Magnifique essai de Baia. Pour transformer l'essai, place au buteur. Monroe. Ouais, c'est bien négocié. 25 à 0.